Bonjour à tous, bienvenue sur Automobile Propre. Alors aujourd'hui je suis avec Joël. Joël qui vient de lancer un service de location de Tesla et elle va nous expliquer tout ça. Joël, est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi tu as démarré cette activité ? Bonjour à tous. Eh bien, j'ai découvert il y a un an et demi la voiture électrique avec une Ampera et j'ai été vraiment conquise par cette voiture et le système donc de pour rouler carrément en électrique, c'est complètement différent du thermique. Et après, j'ai découvert la Tesla et j'ai eu l'idée de pouvoir la proposer en location pour la faire connaître à plus de monde possible. Si moi j'ai envie de louer une Tesla parce que je veux l'essayer, peut-être même avant de l'acheter, comment ça se passe et quels sont les tarifs en fait ? Alors c'est très simple, on va sur le site premiumve.fr. Là, il y a un formulaire qui va vous indiquer où vous allez pouvoir donner donc vos informations. Et les prix sont de 250 euros avec 300 km inclus. Ce sont les prix TTC. Ou alors 396 euros en kilométrage illimité. À partir de 4 jours, je fais 10% en moins. Et pour une semaine de location, le 7e jour est gratuit. Donc vous payez que 6 jours. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une caution ? Est-ce qu'il faut des papiers spécifiques ? Comment ça se passe d'un point de vue administratif ? Alors oui, comme pour toute location de véhicule, donc il y a une caution à donner. Donc c'est une empreinte que l'on fait sur la carte bancaire de 7500 euros. Et puis évidemment, il faut un permis de conduire qui soit valide, et une pièce d'identité. Voilà, tout simplement. Alors j'ai appris que tu as repris une bonne idée de Tesla qui est le parrainage. Donc concrètement, moi je peux parrainer quelqu'un qui va louer ta voiture. Est-ce que tu peux me dire comment ça marche ? Alors en effet, donc pour c'est le même principe dans le sens que pour faire connaître la société, j'ai mis en place un parrainage qui consiste à offrir 10% de la location à toute personne qui va m'envoyer des clients. Pour simplifier, si vous m'envoyez 10 clients d'une journée, eh bien ça vous fera à ce moment-là une journée gratuite pour vous. Et donc si je résume en fait, aujourd'hui la zone que tu couvres avec cette location de voiture, c'est l'Est de la France, c'est bien ça ? Alors en effet, nous c'est le Grand Est, donc maintenant ça s'appelle comme ça, donc c'est l'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, plus le Luxembourg, l'Allemagne, et puis donc la Suisse également, puisqu'on est très voisins, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent y aller. Donc c'est une région, c'est toute la zone auquel nous allons pouvoir livrer les véhicules. Voilà, merci Joël pour la présentation de ton activité. Je vous rappelle que c'est la voiture qui est juste derrière moi qui est à louer. Et puis on prendra un petit peu de temps avec Joël d'ici quelques temps pour voir un peu si l'activité a décollé, comment ça a fonctionné, et puis faire un petit bilan. Merci Joël, à bientôt, bye.